c'est mon petit frère Georges. Voici Maman Pig. Et voilà Papa Pig. C'est tard. La soirée pyjama. C'est le soir. Peppa est invitée à une soirée pyjama chez son amie Zoé Zebra. Bonjour Zoé. Bonsoir Peppa. Je te souhaite la bienvenue à ma soirée pyjama. Je reviens te chercher demain matin. Bonne soirée Peppa. Au revoir. Rebecca Rabbit, Suzy Chip et Emily Elephant sont déjà arrivés. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Peppa. J'ai emmené Teddy. Bonsoir tout le monde. Zoé Zebra a son doudou singe. Émilie Éléphant a sa grenouille. Quoi, quoi. Suzy Chip a son hibou. Et Rebecca Rabbit a sa carotte. Carotte, carotte. Monsieur Zebra regarde la télévision. Ça, c'est mieux. Mais je regardais l'autre chaîne. C'était un peu ennuyeux, papa. Papa Zebra doit aller se coucher. Il doit se lever très tôt pour distribuer le courrier. Bon, d'accord, Maman Zebra. Ne veillez pas trop tard. Bonne nuit, Maman. Peppa et ses amis s'installent dans leur sac de couchage. Les petites sœurs jumelles de Zoé, Zouzou et Zaza, veulent participer à la soirée pyjama. Les soirées pyjama sont réservées aux grandes filles. Oui. Elles peuvent rester. D'accord, mais vous devez promettre que vous resterez éveillées. Oui, promis. Waouh, un piano. Oui, je prends des cours. Écoute. À vous dirai-je, maman. Je peux jouer un morceau. Et moi. Et moi. À vous dirai-je, maman. Il ne faut pas faire de bruit. Papa Zebra essaie de dormir. Allez, toutes dans vos duvets, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? D'habitude, aux soirées pyjama, on fait toujours un festin de minuit. C'est quoi un festin de minuit? Eh bien, on mange des choses en secret. Ouh! Je sais où il y a de la nourriture, mais il ne faut surtout pas faire de bruit. Chut, Suzy. Chut, Peppa. Silence. Maman Zebra s'est réveillée. On va faire le meilleur festin de minuit de notre vie. Que se passe-t-il ici? Vous allez réveiller Papa Zebra. Bien, qui connaît une jolie petite histoire pour s'endormir? Moi et moi. Bon, je commence. Il était une fois une toute petite fée, très jolie. Maintenant à toi, Peppa. Elle vivait dans la forêt. Elle avait des pouvoirs magiques. Grâce à sa baguette magique. Ravissant. Allez, à toi, Émilie. Vas-y, dis-nous ce qui se passe ensuite. Ben, je ne sais pas trop quoi dire. Invente tout ce que tu veux, Émilie. Tant que ce n'est pas trop ennuyeux. Oh, d'accord. La jolie petite fée rencontra un énorme monstre. Tout à coup... Oh, ah, ça fait peur. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh mince, le bruit a réveillé Papa Zebra. Excuse-nous, papa. C'était l'histoire d'une jolie petite fée. Il y avait aussi un horrible monstre. Et on veut savoir ce qui se passe ensuite. Bon, attendez. Le monstre se mit à agiter ses petites pattes toutes poilues. Oh. Et se mit à marcher sur ses gros pieds velus. Oh. Puis il dit: à vous dirai-je, maman, ce qui cause mon tourment. La chanson de Monsieur Zebra a endormi tous les enfants. Il fait nuit. Peppa et Georges montent se coucher.
Bonne nuit, Peppa et George. Maman, papa. Oui, Peppa. J'ai pas envie de dormir. Vous nous racontez une histoire? Mais George est peut-être fatigué, il n'a pas envie d'une histoire. George, tu veux écouter une histoire? Dis oui. C'est d'accord. Puisque vous insistez, je vais vous raconter quelque chose. Si papa vous raconte une histoire, vous devez nous promettre de dormir. On vous le promet. Alors voilà, je vais vous raconter l'histoire de la princesse fatiguée. Tu es sûre qu'elle est bien, cette histoire? Elle a l'air drôlement ennuyeuse. Ce n'est pas ennuyeux. Ça te plaira beaucoup. Est-ce que ça parle d'une vraie princesse? Peppa, si tu continues d'interrompre Papa Pig, il ne pourra jamais commencer. Pardon, maman. Est-ce qu'il y a une vraie princesse dans cette histoire, papa? Oui, c'est l'histoire d'une vraie petite princesse. Une princesse fatiguée. Il était une fois une petite princesse qui vivait dans un grand château. Elle était surnommée la princesse fatiguée. Papa, pourquoi on l'appelait comme ça? Je te l'expliquerai plus tard. Est-ce qu'elle était jolie, cette princesse? Oui, elle était très jolie. Elle passait son temps à se regarder dans la glace. Je suis la plus jolie. Qui d'autre habitait dans ce château? Ah, eh bien... Dans le château, il y avait aussi le petit prince, la reine maman et le roi papa. C'est exact. Eux aussi, ils habitaient là. Est-ce que le roi papa avait un gros ventre? Bien sûr que non. Il était très beau, comme moi. Peu importe, il y avait aussi un gros dragon. Dinosaure. Un dinosaure? Oui, c'est vrai, ce n'était pas un dragon, c'était un dinosaure. Un énorme dinosaure très méchant qui vivait tout à côté du château. Le dinosaure n'était peut-être pas aussi féroce que tu le dis, Papa Pig. Pardon, George. Non, il n'était pas méchant, bien au contraire. Il mangeait principalement de l'herbe. Enfin, papa! Oh, pardon. J'imitais seulement le dinosaure. Papa, pourquoi la princesse fatiguée s'appelait comme ça? Je vais y venir. Bientôt, le soleil se coucha. Les étoiles et la lune firent leur apparition et tout le monde se sentit fatigué. Mais la princesse fatiguée était la plus fatiguée de tous. Peppa, tu es fatiguée? Non, papa, je ne suis pas fatiguée du tout. Oui, mais j'en vois un qui s'est endormi. George, réveille-toi. Sinon, tu vas rater la fin de l'histoire. Peppa n'est peut-être pas fatiguée, mais la petite princesse tombait de sommeil. À force de se regarder toute la journée dans la glace, elle était épuisée. Je vais te porter jusqu'à ton lit. Bonne nuit. La princesse fatiguée était tellement fatiguée qu'elle s'endormit immédiatement. C'était une belle histoire, roi papa. Je te remercie, reine maman. Notre petit prince et notre princesse l'ont beaucoup apprécié. Vive le camping! Peppa et ses amis vont faire du camping. Madame Gazelle, je me sens pas très bien. Ça secoue trop dans ce bus. Oh mince, Pedro Pony a mal au cœur en bus. Pauvre Pedro, viens t'asseoir à l'avant, avec moi. Voilà, ça va mieux maintenant? Un petit peu mieux. Madame Gazelle? Zoé, toi aussi tu as mal au cœur? Non, mais j'ai peur d'être malade tout à l'heure. Je peux venir m'asseoir devant, au cas où?
Est-ce que je peux venir m'asseoir aussi devant? Et moi? Oh, désolé les enfants, mais vous ne pouvez pas tous venir vous asseoir devant. Oh! Ce n'est pas grave, on arrive au terrain de camping. Joyeux camping, tout le monde! Voici notre terrain de camping. Respirez l'air pur, les enfants. Emplissez vos poumons. Excellent souffle. Maintenant, nous allons monter les tentes. Peppa et ses amis sont en train de monter leurs tentes. Les enfants, chacun doit trouver un partenaire pour partager une tente. Dis, Suzy, on partage la tente? Mais... j'ai dit que je la partageais avec Zoé. Oh, désolée, Suzy. J'ai dit que je la partageais avec Rebecca. Rebecca, t'as dit que tu la partageais avec moi. Oui, c'est vrai. Mais... Émilie, avec qui tu vas partager ta tente? Zoé. Oh, oui. C'est bon? Alors, tu peux la partager avec moi? D'accord. Maintenant, je veux des branches pour faire un joyeux feu de camp. Ouais, on va chercher des branches. Mais Pedro et moi, on voulait aller chercher les branches. Oh, oh! Vous n'avez qu'à tous aller chercher des branches. Peppa et ses amis vont ramasser des branches pour le feu de camp. C'est grandiose! La nuit est tombée. Peppa et ses amis sont assis autour du feu de camp. Les enfants, on va tous chanter une chanson. Oui, la Bing Bang Song, s'il vous plaît. Oh, je ne suis pas sûre. S'il vous plaît, Madame Gazelle, chantez la Bing Bang Song. D'accord. Ouh, on gratouille les cordes en chantant la chanson. Ça fait bing et puis bang et puis bing. Bang, bing, boum. C'est l'heure d'aller au lit. Bonne nuit, les enfants. Bonne nuit, Madame Gazelle. Peppa et Suzy sont dans leur sac de couchage. J'ai une lampe de poche. Moi aussi. Votre attention, les enfants. Plus de ricanements, s'il vous plaît. C'était quoi ce drôle de bruit? Je n'en sais rien. Ça y est, ça recommence. Suzy, tu vas où comme ça? Madame Gazelle, j'ai un petit peu peur. Oh, tu veux venir dans ma tente? Je veux bien. Madame Gazelle, je crois que j'ai aussi un peu peur. Je peux venir, s'il vous plaît? Bien sûr. Je sens que je vais avoir un petit peu peur tout à l'heure. J'ai peur d'avoir peur, moi aussi, tout à l'heure. Moi aussi. Tout le monde dans ma tente. On peut faire la Bing Bang Song, s'il vous plaît? D'accord. On gratouille les cordes en chantant la chanson. Ça fait bing et puis bang et puis bing. Thank you.